C'est parti. Ah, commande à la Fnac, tu te feras livrer. Ya. Ah, mais d'accord, je peux pas taper, donc pour l'instant, le gameplay. Ah, il va pas me revenir tout de suite. Hein. Qu'est-ce qui t'arrive? T'as l'air nerveux. Chef? Tu as quelque chose à me dire? Crache le morceau. Je crois que j'ai déjà vu cette scène. Je crois qu'il veut. Oui, c'est ça, il veut arrêter. On l'a déjà lu. Donc j'aurais dû mettre skip en fait. Ouais, non mais. Ah, faut que j'aille où? Ah, j'ai pas suivi. J'aurais pas dû skip en fait. Ah, j'ai ramassé un truc. Non, je peux pas me barrer. Ah mince. Donc au lieu d'aller dans la partie ouverte, j'allais directement sur le mur. GG. Bien sûr, j'ai la voiture la moins classe. Hein. Salut William. Oh my. Mais je l'ai pas déjà fait ce niveau-là? Attends. J'ai un pro. Mais non, mais. Désactive la visée automatique, merci. Ah. Non, c'est pas celui que j'ai déjà fait, ok. Par contre, on a un silencieux, ça c'est cool, en théorie. Par contre, on peut lock, je trouve ça assez bizarre. Le pouvoir lock. Assez cheaté, même en fait. Parce que voilà, je suis sûr d'avoir ma cible. Je suis quasiment sûr que ça. Ah! Que ça n'existait pas, ça, dans la première version. Parce que là, j'arrive. Ah! Je me trompe de touche. Ouais, j'ai plus le gameplay en tête, my god. Comment on met des baffes? Ça a sûrement la même touche, mais. Jette ton gun de merde. Merci. Comment on prend les armes? Ah, je sais plus. Je sais plus jouer. Non, arrête. Ah, mais je peux pas me mettre à l'abri là. Et pourquoi c'est en mode lock à chaque fois? Enlève-moi le lock! STP. Oh my god, comme j'aime pas le. Les gunfights. C'est tellement plus cool le corps à corps. Je suis énervé aussi. Salut Ango. Oh, bonjour. Au revoir. Bah après j'essaye pas de faire des combos et des gros scores, hein. J'essaie surtout d'arriver à finir le niveau. Parce que le but c'est de rusher et de. D'accord, on a un mec bugué en haut. Ouais, donc le but c'est de rusher et d'essayer de tous les tuer le plus rapidement possible. Là je vais être un peu emmerdé. Et du coup j'utilise pas l'autolock, ça m'aiderait, hein. Mais pour moi c'est un peu. Enfin je sais pas. On n'est pas censé l'utiliser. Hein. Parce qu'autolock, voilà, je suis sûr de pas rater ma cible au gun par exemple. C'est un peu abusé. Là, ils sont deux. D'accord, on a cassé. Je sais pas ce que c'était. Vous êtes deux, bande de troducs? Oh, les troducs. Andaki. Non, ça bug pas. Ah, je peux pas les tuer à travers le mur. Oui, non, mais là. Je vais pas avoir le choix. Ah. Ah, c'est cheaté là. Anna! Ah! Non, dégage! Dégage! Mais qui tu vises quand t'arrives? Je comprends pas. Il vise un mec automatiquement et c'est un mec de merde. Voilà, merci. Là, je vise à zéro skill. De toute façon, lui, en théorie, je peux le tuer. Alors, on va jouer avec le lock, hein. C'est beaucoup plus easy. My code. Oh putain. Mais ouais, mais. C'est plus easy, mais encore faudrait voir ce qui se passe. Ah ben non, mais si on meurt en même temps, tous, c'est badaud, hein. Ah! Mais non, mais. Change de cible. Ah merde, putain. Mais ils vont trop vite. C'est tellement cheaté.
Mais avec la visée automatique, my god. Ah merde. Ah merde, il est derrière un mur. Ok. Ça rend le jeu plus facile. Mais pas easy pour autant. Oh putain. Mollo, gars. Merde. Ok, il nous reste une balle. On va y ripper le silencieux. Ok, on a nettoyé l'étage. Bon, on a fini sans la visée automatique, c'est pas plus mal. Tu as fini Bloodborne, tu peux au moins finir ce jeu. Bah, c'est pas le même type de difficulté en fait. Hein. On va prendre un fusil à pompe pour le prochain étage. Ouh, des belles voitures. Oh, oh. William, ta vie commence. Ah, bah moi je viens de mourir. Bah écoute. On retourne parmi nous alors. Ah non, mais pourquoi t'as fait ça, mon gars? Ah, j'ai jeté mon gun. Non. C'est une stratégie pour les attirer. Orage. Ah non. Arrêtez. Ah mais putain, je pensais que... Je pensais que la voiture allait gêner, voyez-vous. Ah, fuck you. Oh. J'ai dit, oh. Non, ah, au secours. Mais on n'a pas le temps. On n'a pas le temps de niaiser. D'accord. Bon bah là j'ai utilisé la visée automatique, ça m'a visé un mec qui est à 4 km au lieu de viser celui qui me rush dessus. Je l'ai eu ou pas? Oh putain. La panique. Non, à main nue j'ai dit tu gères ta race, donc tu arrêtes. Tu arrêtes de mourir. Voilà, merci. Très bien. Je trouve ça tellement plus swag de jouer comme ça. Ok. Le problème, c'est qu'il y a des mecs qui jouent au gun. Ok. Là-bas, il y a des vitres, donc ils vont me voir arriver. Je sais pas où regarder. Oh, oh, oh. Il y en a encore? Ouais, mais la visée automatique SVP. Donc je sais où est la dernière personne. Enfin, c'est ça qui est assez... assez abusé, je trouve. Je m'en serais servi beaucoup plus tôt. J'aurais moins galéré, je pense. Parce que je veux pas dire de bêtises, mais il me semble que dans le 1, il n'y avait pas du tout cette visée automatique. Ou en tout cas, je ne m'en servais pas. Par contre, j'ai oublié de lancer l'enregistrement, ça c'est un peu relou. Faudra que je pense à le récupérer sur la rediff. Ah! Attendez, laissez-moi... Ah non, il y a des chiens. Ah! Fuck you! Ah! Arrête de me tuer, STP. C'est pas très gentil. Ah, mais il y a un mec au fusil à pompe. Hein. Ah, c'est mucho caca. Ah, salut Poro. Merde, je l'ai pas tué. Oh, oh, le chien meurt aussi. Mourrez tous. Bande de mécréants. Ah non. Eh ben voilà. Oh my god. Oh my Anna. Je décède sans arrêt. C'est... Ah mais non, mais arrête. Ah. Le respect.
Il me voit pas là, c'est des murs ça, c'est quoi? Là c'est un peu pénible hein, parce que toutes les salles sont connectées. On peut pas trop se cacher. Ok, ça c'est fait. Ah oui, c'est vrai qu'il y a des vitres, putain. Oh non! Oh, putain de chien! J'en ai marre. Ah, bah oui, mais tu te fais trouver instant! Ça n'a. Putain, mais c'est pas possible! Ah! Mais d'où je me fais bouffer par un chien? Est-ce que j'en fais moi des chiens? Ah non, putain! Mais oui, mais... Comment je fais? Il y a des mécogunes partout. Non, je baffe pas quand même. C'est chien de merde. Ok. J'aime pas les armes à feu, mais avons-nous le choix? Oh putain. Dégage-toi. Ah! Faudra qu'on m'explique cette visée automatique qui marche à moitié. Ah! Dégage! Non, j'avais plus de munitions! Ça parle, Popo? Pour qu'il veut pécho ou au contraire, j'ai pas suivi. Ah, bref. Ah, bref, je meurs encore. Je meurs toujours, encore et toujours. Mais ça les tue pas là, ils sont juste stun 2 minutes. Hey! Bouge ton cul avant de te faire descendre, merci bien. Ok. Je crois qu'ils aiment pas trop les portes ici. C'est un peu leur point faible, voyez-vous. Hey, biatch! Non. Ah, je sais pas ce que je lui ai fait. C'est horrible, c'est violent, oui. Mais si, on y est là, à la fin. Hey, biatch de chien. Ah non! C'était... Ah, chien de merde. Chien de merde. Mais comment... Vous pouvez arrêter de me... Pourquoi on peut pas les achever rapidement au sol? Putain de chien de merde. Je te pisse à l'arrêt. Oh. Ah non. Arrêtez monsieur. Je vous demande de vous arrêter, bah il est mort, donc. Non, vise celui qui est loin, s'il te plaît, devant toi. Oh! Ah merde! Le fail! Normalement, la batte, c'était prévu que ça allait lui l'assommer, mais non. Sans attendre, pourquoi t'es mort?
Quoi? J'ai été mangé, tué. Ne rageais pas de mon skill, je vous ai déjà dit. Ah, le chien m'a vu. Mais d'où le chien, il est intelligent, il fait le tour. Ah, je suis un chien intelligent, je fais le tour. La la la. Un chien s'est teubé par défaut, non? Oh my god. Ok, je tire au pif. Ouais, alors là, par contre... Voilà, le but, c'était de la tirer. Ça a marché très bien. Ah non! Oh, j'ai eu peur. Très bien, on peut voir la tuerie. Et GG. Go to car, c'est par où? Comme si je me rappelais, moi. Go to car, c'était pas là-haut, là? Si. Ah, mais y'a un mec. Ah! Bonjour, monsieur. Oh, t'es qui, toi? Putain, la tronche, mec. Tu peux pas prendre les voitures pour les écraser. Non, les voitures, ça reste dehors. Nous, on est à l'intérieur. Ça ne marche pas. Sortant, y'a un mec qui m'envoie la session aujourd'hui en MP4. Pas aujourd'hui, hein. Sortant, c'est hot. Hein? Souffle pas dans mon micro. Bah, dans ton micro. Bah, oui. Je ne nie pas. Alors, après, honnêtement, l'histoire n'est pas forcément ce qui m'intéresse le plus dans ce jeu. Même si, en général, l'univers est assez cool. Voilà. C'est moins. Ah, c'est que je mets trop de temps, zéro en temps, quoi. C'est un peu caca. Alors du coup, normalement, ça va sauvegarder, je pense. On dirait... Quoi? Merci, Poro. Là aussi, on dirait Poro. Ah, c'est quoi? C'est une meuf. Salut, chérie. Je dis ça parce qu'il y avait des cheveux, en fait. J'ai pas vu que c'était une demoiselle. RT, en plus, elle est en soutif sur le canapé, non? J'ai préparé ton dîner, il est dans le frigo. Ah! J'ai rien dit. Mon dieu. Oh, j'ai quitté mon travail, ouais. Et ton patron t'a laissé partir? Je croyais que tu m'avais dit que... Écoute, j'ai arrêté, point final. Ah, j'allais oublier. J'ai une surprise pour toi, mais... C'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Tu verras demain, ok? Là, tout de suite, je suis trop crevé. Je fonce direct au pieu. Tu te couches dans longtemps? Je finis juste cette émission. Je monte dans une minute. Ouais. Du coup, si Pearl est dispo, on va pouvoir jouer à autre chose. Je vais quand même finir la session. Donc, monsieur a une belle salle de sport. Ah, c'est ça le lit. Il y a une peau de léopard et tout. Tu ressens pas à ça? Bah, il y a des cheveux, écoute. What is this? Vous écoutez Will Radio, Miami. La musique qu'on partage entre amis. Ce que vous voulez quand vous voulez, c'est la devise de la maison. Il fait super beau aujourd'hui, le soleil brille, aucun nuage à l'horizon. Par une si belle journée, il ne peut rien vous arriver. Ça, c'est garanti. Dans quelques minutes, premier passage radio pour le futur tube de Perturbator. En attendant, voilà une nouvelle chanson du chouchou du public, Mitch. Nous interrompons nos émissions pour un bulletin d'alerte météo. Une tempête tropicale qui s'est formée dans l'Atlantique se dirige vers la Floride. On estime qu'elle atteindra Miami vers 19h. Tous les habitants doivent... Ah. C'est une voiture... Ah, une voiture superbe que vous avez. Et où allons-nous? Je pars loin, très loin. N'importe où, je m'en fous. Vous êtes sûr? Vous avez bien une idée de l'endroit où vous allez? Parce que lorsqu'on ne sait pas où on va, on finit souvent par tourner en rond. Et puis, cette route ne m'inspire pas beaucoup. Je t'ai pas demandé ton avis. Et si je vous apprenais que cette route ne mène nulle part, ou plutôt que vous vous dirigez vers une impasse? Que vous y allez tout droit. Vous vous en approchez à toute vitesse. Mais vous le savez déjà, n'est-ce pas? Je comprends rien à ce que tu racontes. Vous comprendrez assez vite. Au fait,
Vous avez oublié d'emmener votre petite amie? Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, il cherche son... Elle a piqué le fric. Marie. Biatch. Elle a piqué mon fric. Ah. Plein de cheveux sur terre ont des cheveux. Tu n'as plus l'habitude. Merci, Pearl. Bon. Oh, y a... c'est quoi ça? Un chat? Un gros chat qui fait dodo, je crois. Où est Marie, cette biatch? Oh, maman fric! Ah! Marie! Mon chéri, je suis désolé. Tu aurais fait la même chose à ma place. Je t'embrasse, Marie. Oh. Elle a piqué la bagnole aussi. Ah! Donc ça, c'est pour la prochaine fois. Donc je vous dis merci d'avoir regardé cette archive sur Outland Miami. Ciao, ciao!